Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, sénateur de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, président de la Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale. Sénateur, bonne nouvelle, comment est-ce? Nous, là, nous ne pouvons pas dire nous bien parce que le pays a traversé des moments difficiles. Et au cas où nous passons un bon petit moment de silence, je ne peux pas parler, je peux observer, je peux attendre. C'est parce que je ne fais pas trop bien qui fait pas parler. Okay. Il y a deux raisons qu'on fait parler. C'est le bah, la mal en pile. Moins de temps, j'ai un élément pour me parler. À quel moment je comprends. Je ne comprends pas, je pète un pour me comprendre. Et je dis à me penser, il est important pour nous parler dans la mesure où la société noire a vivre un moment qui est vraiment un moment qui sorti dans l'ordinaire. Et que tout le monde qui est en position dans la société, ça, on doit exprimer. Mm-hmm. Avec vous, sénateur, nous allons faire une émission spéciale qui est notre annoncé auditeur. On va parler de sécurité publique dans une dimension très large. Avec le sénateur, là, nous allons poser la problématique là et partager avec vous des chiffres qui illustrent la dégradation de la situation de la sécurité. Ce sont des chiffres qui donnent froid dans le dos. Avec les tours, nous allons regarder qui répond au pouvoir public, différentes entités qui préposaient à la production de la sécurité, baillent à la problématique là. Nous allons regarder les douanes, qui situation, qui impact contrebande sur la production de la sécurité. Naturellement, nous allons jongler avec des dossiers d'actualité, notamment cette affaire de conteneurs qui éclatait dans la presse hier et qui vaut une sortie fracassante du sénateur Sorel Hyacinthe qui a annoncé qu'il n'est plus l'allié du président. On va voir aussi rapport PNH et les douanes à la frontière. Et regardez, est-ce que les incidents de novembre 2018, si ma mémoire est bonne, côté des douaniers, des mouris, quand on est dans Malpass, gagne une incidence sur cette synergie nécessaire dans le travail de la PNH et des douanes. On a posé avec vous la prolifération des gangs, gangs sociaux, gangs politiques. Le sénateur a évoqué deux concepts. On parlera d'une situation d'actualité aussi. C'est la Saline qui est devenue le tombeau de l'efficacité de la PNH. Il y a des Galil qui ont perdu, dans le palais national, perdu, bon, disons de préférence, qui ont manqué à l'inventaire. Et entre Martelly et Brivert, il y en a retrouvé dans des gangs dans le Postlen qui est indexé dans le cadre du massacre de la Saline. Nous estimons que c'est nécessaire d'ouvrir une enquête au niveau du Sénat. Nous allons regarder l'utilité. Nous allons retourner avec tout, sous sacrivé avec le dossier mercenaire et le dossier du sénateur et Delva et ses rapports avec Arnel. Et puis la PNH, sa situation, ses besoins, ses moyens, indépendance, interférence, le mandat de Michel-Angédéon, nous allons surfer sur eux l'un après l'autre. Mais d'abord, quels sont ces chiffres qui donnent froid dans le dos, qui illustrent la dégradation de la situation sécuritaire du pays? Bon, et moi, je suis parti pour une très belle émission. Mm-hmm. Hier, nous avons reçu le directeur général de la police là. Parce que nous avons besoin d'un état des lieux et surtout des chiffres de salgain en mail. Nous avons fait le même travail là avec CEJILAP, Commission épiscopale justice et paix, pour nous voir est-ce que nous sommes capables de collationner l'information que JILAP baillé par rapport à ça et le directeur général de la police là. Mais l'information que nous avons en 2018, non, toute année, nous avons avoisiné 615-620 cas d'homicide, entre guillemets, parce que capable de assassinat là-dedans, même monde qui mourit. De mort violente. Mort violente. Mm-hmm. Alors que je dis, en 2019, nous, dans le 7e mois, nous étions à 517 cas que la police là, les répertoriés, les enregistrés. Nous avons un cas assassinat qui fait sous policier ou bien meurtre de policier. En 2018, nous avons gagné 17 qui mourent pour toute année. Alors que je dis, nous dans le 7e mois 2019, là, nous avons gagné 25 policiers qui mourent. Nous sommes capables de constater gagner des commissariats qui brûlent, gagner une velléité pour attaquer un policier. Ou après, gagner un courant qui a traversé dans le pays, c'est tout le monde qui boule. Dans 500. La police dit nous qui mourit ou bien 600 mourit là yo, est-ce que nous capable mettre moun
que cap mouri non actuellement dans la saline, est-ce que vous comptez? Parce que si chien mange yo, cochon mange yo, ou pas compter yo. Gagné un massacre qui fait dans village de Dieu que nous tendez parler de lui, mais jusqu'à présent pour ramasser preuve yo, même des informations pertinentes qui fait me connait, il y a plus que 17 moun qui mouri en dans village de Dieu, il y a pas un mois et demi de cela. Après Canel Finalia, il y a un autre groupe qui sorti dans Grand Avine, qui t'a vu installer un autre chef dans place Anel, et puis t'a gagné zinc pété, moun moui et yo boule moun yo. Chaque moun ki moui, yo nan moui, yo tout boule. Donc là, nous gagnons une situation sécuritaire qui est inquiétante, qui m'a dit nous-mêmes comme parlementaires ou tout le monde qui est dans la chaîne pénale, là, tout le monde qui est dans la chaîne de décision, qui doit prendre décision pour le pays, pour nous questionner, nous, pour dire est-ce qu'on peut quitter le pays, continuer dans ce genre là. Et il y a un petit bagaille. C'est frère, nous, oui, capturer frère, nous. Ça cap tomber, c'est frère, nous, action. Et mon cap tuer, c'est frère, nous, action. C'est ça que fait notre c'est pas nous censés, nous avons une véritable guerre civile. Déclaration pas faite. Mais nous avons une guerre civile lorsque. Je dis, on a décidé de la tuer, de les amener le tuer, et on pas même de droit pour former ou espérer en justice. Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, par contre, c'est au niveau de la commission, là, où sensible à chiffre, à homicide, et à regarder en contrepartie, est-ce que la police judiciaire, le bureau des affaires criminelles, réussit par rapport à volume homicide, aboutit à des enquêtes et des enquêtes qui aboutissent à des procès. Il faut me dire, travail de direction centrale de la police judiciaire pour avoir été commissaire du gouvernement, moi je connais pas facile. Il y a toujours gagné, il y a toujours joint des indices qui ont conduit à une enquête sérieuse, qui a abouti à un procès. Mais assez souvent, le procès, ça n'a pas qu'on finit de bon procès, il y a des procès bâclés. Dans le sens, les gens qui font attaque là, assez souvent, s'ils tuent les gens avec arme blanche ou bien avec arme à feu, la police scientifique doit intervenir pour être capable d'établir fait de causalité entre cadavre et examen qui tue moun. Or, assez souvent, il est difficile pour la police de jouer une âme sa yo, dans la mesure où les âmes, c'est des âmes qui sont en circulation de manière irrégulière et illégale dans le pays. L'arrivée devant de fait sa yo, ou prenons moun, moun nan dit ou, li pa kon zam sa, hein, li nye. Rien que le tag examen, non. Juge là, pas gagné rien capable de faire lorsque, en matière pénale, la principe générale de droit, dit le doute profite à l'accusé. Et là, ça, assez souvent, les gens sont libérés, ils retournent à le marché, ça, ils achètent l'autre examen et ils recommettent l'autre acte encore en deux sociétés. Donc, difficile d'avoir des éléments de preuve, des preuves directes qui peuvent soutenir l'accusation au niveau du tribunal pour que la condamnation soit faite sans l'ombre d'un doute. Vous comprenez pas ça, il fallait poser cette question. Pour efficacité et la police et judiciaire dans la répression. Maintenant, par rapport à chiffres que nous sommes partagés là, nous sommes dans le constat ou Dili. Et on a regardé avec vous les réponses des pouvoirs publics impliqués dans la production de la sécurité. J'ai dit les pouvoirs publics, oui. Ce n'est pas uniquement la police qui sont acteurs de la production sécuritaire. D'abord, les douanes. Quelle est la situation? Les douanes sont un problème lié. Et moi, je vous remercie parce qu'au bon occasion pour me parler de ça là dans l'émission ça. Tu as une harmonie qui dégage entre les pouvoirs publics qui ont rentré dans la chaîne de sécurisation société. Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est comme au moment où on a un premier petit qui a 3 ans, et petit là, il y a un autre petit monde qui fait qui a un jour, naturellement, sans que le petit monde ne puisse créer les haines, il est tué. Petit monde qui gagne un mois. Ça me doit son bain vivre comme père de famille. Dans la chaîne de sécurisation société, il y a toujours une forme de jalousie. Ça. Ou à permettre, moi, prendre par exemple, un petit hic qui gagne la caille de mal passe entre la police là avec la douane. D'abord, agent douanier qui peut zamio. Moi-même, comme sénateur de la République, je ne peux pas dire est-ce que les armes sont légales ou bien est-ce que ces armes sont illégales.
Parce que pas de crasse contrôle vraiment, à mon avis, qui exerce sur le monde qui a pour ça. Les autorités policières la connaissent, les mêmes, pour le pot d'âme, ils passent dans l'académie. Les gens ont l'autre qui pour des âmes, même gens avec lui, il par contre, qui formation qu'il subit. Rapidement, donc, une scène de jalousie qui commence entre eux pour connaître qui est-ce qui autorité légitime. Non. Dans ce qui passe mal passe là, M. Douanier a incriminé la police. Il dit que la police était livrée à la population, qui boulait, qui tuait. Et ça vient de mettre en discorde, je ne le dis pas, dans la coopération qui a dû exister entre la police avec la douane sous frontière. Je ne parle pas de mal passe là, parce que plus qu'on est, vu que c'est zone natale. Maintenant, le problème, c'est capable, on a mis tout. Les capables sous l'autre Belader, dans tout le point de passage entre frontières haïtiano-dominicaines, sont capables de gagner ça. Mais les préalvinis tout dans l'aéroport et pour nous, pour qu'on ait qui est-ce qui autorité, dans qui moment, lorsque il a constaté une infraction. Je continue pour vous permettre toujours. Le 20 janvier 2019. La police là, Polifonte, procédait à une saisie, importante saisie, sur route Malpasse là, de plusieurs camions qui ont conduit par des citoyens dominicains. Et qui n'ont pas même un permis de conduire, pas de passeport, qui rentrait à des matériaux de construction en Haïti. Bon, ils ont dit matériaux de construction. Même par contre, qui en baillot parce que pas de enquête approfondie qui fait. Mon connaît ça te mette en lutte la douane et Polifont, qui c'est une unité spécialisée sous frontière là de la police. Te gen gros entre yo. Lorsque la police relé la douane pas de vlevini parce que la douane estimait que l'opération ça a tombé dans le champ d'attribution pâle. Et que Polifonte pas de droit vini. Si Polifonte vini, c'est parce que Polifonte quitte limite attribution. Et surtout, il y a Zin, qui est-ce qui a perdu? Société a perdu, parce que j'entends des sénateurs sur le tab dit hier, tout camion sa yo, bon, on peut comprendre comment yo fait libérer yo. Parce que camion, nous-mêmes, les Haïtiens, n'ont pas cherché opportunité. N'a crié nous d'une barrière camion pour CNE. Nous avons 10 camions qui sont utiles dans le CNE, nous avons quitté à perdre. Parce que nous n'avons pas comment nous faire. Pour nous utiliser, nous avons remis les camions, nous avons libéré les gens, et nous avons matériaux de construction, tout. Nous avons remis à mettre. Maintenant, dans le cas ça, est-ce que nous sommes dans un cas de contrebande, de sous-facturation, de conflit juridictionnel, de conflit de compétences, pardon, entre Polifonte et la douane? Tous les trois. Tous les trois capables là, dans la mesure où, capable de gagner sous-facturation dans la mesure où moi, ça, monsieur, ben moi, dans l'enquête, pas maintenant, qui t'arrive au bord de roi, même où même à l'œil nu. Plus de 40 000 gouttes. 40 000 gouttes, oui. Bon, ou gagne information, yo. Sénateur la tortue partagé, yo. Voilà, nous t'y partagé, oui, avec sénateur la tortue, 40 000 gouttes, et on regarde les camions, yo, ou après, c'est anormal. Maintenant, qui ça en baille? Parce que sous frontière là, ou bien doit avoir un fer qui paraît à l'œil nu, mais en bas fer là ou un zeu. Donc, capable de gagner une zame, capable de gagner l'autre produit qui est coulé en bas fer là. Maintenant, le sénateur a rapporté que le chef de la police là, qui a géré la situation, le directeur de douane lui a répondu, et le président de la République, le président a répondu, il dit, il a fait le nécessaire, good job, et le premier ministre, a répondu. Et rien n'a été fait comme suivi. Et la justice de la Croix des Bouquets a autorisé la remise de ces équipements. T'es qu'un suivi. S'il arrive, la justice, t'es qu'un suivi. Parce que la police saisit, j'ai le rapport du responsable de la Polifonte. Il fait travail, il transfère le dossier avec prévenu by la justice. Maintenant, il y a le commissaire du gouvernement qui est intervenu à la Croix des Bouquets. Les libérer Mounio. Maintenant, ça le libérer. Ah, du coup, là, c'est ça, nous connaissons.
pour me connait comment libérer pour qui ça libérer parce que moi-même comme ancien commissaire du gouvernement moi ouais là des matières pour vous poursuivre pour qui infraction les cas poursuivre pour association de malfaiteurs les cas la poursuivre pour séjour irrégulier la poursuivre pour contrebande la gain pile infraction que capable de décoder en dedans fait ça yo maintenant si commissaire gouvernement les libérer et li libéré monsieur dame qui était dans dominicain que moi a li libéré yo li remettre produit yo bay met yo faut que li di moi même comme commissaire du comme sénateur de la république qui est li remettre provision ça yo bay qui est li bay matériaux yo maintenant pour se faire procédure la vle que moi invité dans sénat directeur général douane non pour le vini mais en passant pendant discussion il était une question faire au directeur adjoint et la douane bat ca avec explication sur oui me connais ça il y a plusieurs mois me connais ça et bien d'a venir retourner sur lui c'est même dossier ça même c'est même dossier ça qui pas il pas ca information sur lui hein il était c'est directeur général là pour venir bailler parce que pas ca bailler maintenant faut n'al connait qui gros zouzoune qui derrière faire ça qui fait nous pas ca connait qui ça lié faut mal connait commissaire gouvernement il pas ca venir alors faut me dire directeur général doit n'a pas ca venir sans ministre li. Et commissaire gouvernement pas ca venir sans ministre de la justice là ça vient mettre nous dans un bouglio côté obligé tendre depuis près de 3 4 mois après ce dossier on pas ca penser destinataire faire là son citoyen qui était gonaïf on pas ca confirmer d'après ça des sources m'a fait pas ou ce soir ou même ces journalistes ouais. Ou capable sous mais même pour qu'on gain source là besoin qu'on ait qui est mettre fait ça lié et qui est-ce qui doit venir bonne information officiellement c'est des autorités de la justice qui l'a dans la douane qui l'a pour ça pour une bonne information officielle là maintenant et comment bien sentir parce que le sénateur Sorel dit en dedans il y a une série de sénateurs qui sont censés être tant que c'est avocat mon UOT et c'est à partir de là il dit que son série de gangs c'est volé qui a dirigé le pays a lui a annoncé que lui pas allé président Moïse encore faut me dire ou même pas approuvé comportement sénateur Sorel pourquoi parce que j'ai été le président de la séance d'hier c'est moi qui t'ai pas accordé la parole et puis le directeur général de la police là t'a répondu à une question nous sous qui ça les joigne comme obstacle dans cadre travail et puis il vient avec fait ça pour dire ouais mais ça qui est arrivé en mois de janvier sur route Gantia rapidement moi le téléphone moi mal dans archive moi me dit le 20 janvier directeur il dit oui me dit question contre moi pas parler me dit oui me dit OK en avance il dit mais ça qui est passé il relait telle autorité qui répond qui pas répondre. Et puis après il apprend que un véhicule yo et produit kembe yo yo libéré par le parquet de la Croix des Bouquets. Et de là le sénateur va l'interviewer pour lui demander est-ce que il était le président. Il dit oui, il était le président. Sénateur Sorel éclaté de coup, il dit c'est président responsable. Il dit d'abord c'est président responsable. Mais pas oublier, commission a gagné, moun qui dans opposition, gagné moun qui a fait équilibre, gagné moun qui a supporté pouvoir. Rapidement, le sénateur Fétier, il dit, mais non, ou fait une conclusion trop hâtive, vu que le directeur a dit que le dossier est au parquet. Sénateur Sorel dit, mais ou même son complice, ou a défendre moun yo là. Sénateur Fétière, vexé au rouge, et puis mon cher, il y a de mauvais mots que nous pas dit là, qui pâtit. Et puis sénateur Sorel sorti là, il pour les pressants, pour le dire que sénateur qui a supporté, qui a défendu contre le bandier. Mais il n'a jamais été question dans la mesure où sénateur Fétière était clair, dossier à le tribunal, les droits à le tribunal, et il faut qu'on connaisse ce qui passe là. Maintenant, le chef de la police a parlé d'interprétation propre au sénateur. Oui. De exploitation politique, côte en côte, mot pour mot, et lui-même les dit, les plus t'as parlé sous synergie qui doit exister entre ces institutions. C'est correct, ça? Oui, effectivement, c'est ça. C'est synergie parce que hier, séance de travail là, contrairement à séance de travail, question-réponse qu'on fait avec la direction générale de police là, ou l'état-major, ou même le CSPN, c'est une séance de travail
côté nous-mêmes autorité yo nous t'a constaté échec nous. Moi pas même voulais bailler point de presse après parce que faut monter comme sénateur de la République, comme président de la commission de justice pour pays à dans Italie là. Maintenant si l'Italie a faut nous font radiographie pour nous qui ça capable faire. Et c'est ça nous t'a fait hier côté une chita en nous-mêmes n'a regardé qui problème la police là joindre. Et directeur de police là a exposé nous des problèmes que pas qu'à citer dans la télévision là. Nous allons l'évoquer tout à l'heure. Mm-hmm. Est-ce que, d'après vous, ou certains m'ont dit, ou est-ce que vous partagez le point de vue ça, que sénateur Sorel, qui sont alliés président de longue date, depuis président là, sont exutoires les parce que les est président en mauvaise posture? Écoutez, moi-même, moi, je voulais rester sérieux à moi-même. Ou à propre position, parfois, il y a des gens qui disent, je suis malose, je ne vais pas comprendre moi. C'est parce que je veux la stabilité de mon pays. Je veux le pays stable. Au président de l'élection, il a été élu. Je dis à président Jovenel, il n'a pas géré rien. Nous avons tout constaté, il n'a pas géré rien. Et il est fait montre d'une certaine incapacité pour le président du pays. Moi, sénateur Jean Rounel, je suis en position. Je dis au président, si vous n'avez pas dirigé, tirez conséquences de l'inconséquence. Mais, je ne parle pas de président, je ne parle pas de premier ministre, je n'ai un mandat de la population. Et même la population qui a un mandat, elle a fait un bagage qui est mal comme autorité, il faut que je sois clair pour me dire, ou même qui a voté, je ne parle pas de ce qu'il a fait, parce qu'il a voté comme lumière, il a voté comme leader, donc il faut que je parle à la population. Moi, je pense que c'est droit au sénateur pour supporter un pouvoir, c'est droit pour camper contre le pouvoir, c'est droit pour essayer de faire équilibre. Pas de monde qui a forcé ou à l'un ou camp ou bien dans l'autre. Mm-hmm. Mais pour faire, il faut qu'on cherche une argumentation qui est plausible et potable. Maintenant, le sénateur a fait choix pour lui aller et pour lui dire qu'il prend face à gouvernement. Pour ne pas allier encore, il ne va pas dire explicitement. Pas allier encore. Il dit, s'il ça, est allié pouvoir et opposition, il a annoncé qu'il ne va pas allier. Ça, c'est décision et sénateur. Okay. C'est décision sénateur que moi-même, je ne pas. Interprété, m'a commenté. OK. Vous comprenez? On cap dit son vent l'a chercher pour la lagone, avait besoin pour exit, il prend mon libre de opinion, c'est mon libre de opinion. Yo et même au niveau du Sénat, m'entendez ça tout. OK. On nous prend l'autre aspect et la prolifération des gangs et ou bien on distingue enfin gang social et gang politique avant de parler de la Saline qui est le tombeau de l'efficacité de la PNH. Oui. On parlait hier de gang, me font catégorisation de gang yo. Dans le pays, à nos points de presse. C'est. Ça a gagné deux ou trois semaines, je travaille matin, midi, soir, sur la question de sécurité pour regarder qui est possible. Nous-mêmes, je questionne l'impossible pour regarder comment la société nous a revivre. Parce que maman, ma papa, je n'ai pas travaillé dans l'État. Maman, ma papa, je n'ai pas vendu quoi de boussard. Devant Saint-Joseph. Et c'est là où éduquer, c'est là où pousser ma université, c'est là où voyer ma l'étranger à l'étudier, faire petit transfert, voyer ben moi pour me devenir aujourd'hui ça me dire. Il y a des milliers de parents par l'état réglé rien pour yo, il suffit que marché quoi des boussales là l'ouvrir, yo cal quoi des boussales là, yo cal vendre pour prendre soin famille yo. Moun ça pas mandé sénateur. Yo pas mandé député. Les gens malades, ils ne viennent pas côté. Ils ne viennent pas côté pour mariage. Ils ne viennent pas côté pour faire curetage. Parce qu'ils ont des possibilités pour prendre soin de tête. Mais je dis à moun, ça va décapitaliser. Par contre, si on achète quoi des boussales, mais même qu'on achète quoi des boussales. Le mieux, on cabrit pour m'acheter, pour manger, c'est en face et à PN. Bon, oui, à côté commissariat. À côté commissariat, oui, nous voyons, viennent acheter cabrit là. Le nouveau acheter cabrit là. Moun kap koche kabrit la, li fait au moins 1000 goud, 1500 goud pour moun ap koche kabrit la. Jodi a sou passe ou pa bon kabrit kap koche encore. Ça veut dire moun sa yo pa fait 1000 goud, yo pa fait 1500 goud la, y a entré dans pauvreté. Et moi même t'ap questionné sou ça pour me dire attention, faut nan connait qui ça sa yo. Mon cher ami, moi relé de moun qui konn Port-au-Prince bien que moi. Et ils mettaient devant en cartographie criminogène l'ère métropolitaine. Pour dire, non, Jérémy, mais qui est-ce qui a dirigé?
Dans quoi des Bossal, marché Chabon, mais qu'est-ce qu'a dirigé? Marché Zonyon, mais qu'est-ce qu'a dirigé? Marché Pépé, mais qu'est-ce qu'a dirigé? Et tout le monde, ça aussi des gens qui sont armés. Yo dim les rivé dans Ouiel plus yo mais qui est ce monde qui contrôle li là on vire dans coq d'or dans zone porte à Léogan les avenue Bolos mais qui est ce qui chef li y a dim en haut dans Tibois mais qui monde cap diriger grand ravine mais qui est ce cap diriger et cetera et puis m'a dit sou monde sa yo est-ce qu'on cap qui est ce qui chef yo moi fais grâce pour pas quitter pas répéter chef yo là jodi a parce que grand pile dans chef yo qui chef. Ah bon? Et m'pap dil pas avant que enquête moi en fini. Okay. Et c'est là ça y a expliqué mais qui élu qui responsable mais qui est. Si élu a relé kounye là, moun nan pap gen zam k'ap tire dans zone ça encore. Il a dit là c'est un gang qui lui même s'est mangé l'ap chache. Li ka descend bon nan, li vinn prend du riz, li prend patate, li prend l'âme véritable. Li rale tabli yan même quelques machin yo monté y a manger mais tel autre gang c'est tel monde cap supporter et m'a dit ou et le pouvoir opposition ah c'est ça m'a dit ou là nan gang politique yo gen moun nan opposition yo dit qui met tel gang et tel autre gang c'est moun qui nan pouvoir qui met yo et ça m'a dit ou là me souhaiter donnez-le de cœur patriotique que le commissaire du gouvernement Erons Villard lui relève sénateur Sénatus. Oh ya ya, il m'a parlé avec lui parce que Villard c'est nèg pam, c'est frèm, c'est un mime. Dans le sens noté, m'était commissaire en chef, il était substitut, il vit autant en France, nous recevons la deux bras, c'est nèg pas nous. Même de nèg pas nous, pas autorité qu'après les monde faire rien pour moi. Mais si on a une capacité pour le faire au job commissaire gouvernement. Mais je dis à me commencer déçu dans vos presse parce que je parle plusieurs fois pour le parler. Je parle plusieurs fois pour le relève, pour le parler. Il faut que les relèves pour me bailler, ça me connaît dans la question de sécurité pays. Donc, l'homme finit une formation, ça y est, moi, gang social, c'est gang qui a cherché à manger pour manger. Si un garçon qui pas de métier, qui a 4 petits, 5 petits. Qui gon zam nan men et puis il dit li pral chercher manger pour manger. Ou te fait un bif si m'ka utiliser mot ça avec un ancien élu qui te fait bol sur les réseaux sociaux et c'est monsieur Bélizère. Oui. Et comment ça finit? Non, il faut finir. Il faut finir parce que le commissaire gouvernement faut que j'aimerais le. Pour qui ça pour le? Faut clairer le parce que m'pa ka un sénateur de la République me dit gros bagay ça pour quitter moi ça te dit. M'te dit que gen des autorités qui loué zam bay bandi et m'te cité nos sénateurs députés. Non, ancien député ou député? Ancien député, Bélizère, au niveau de la Croix des Boussards. Donc, il y a deux Bélizères. Non, ma parole, non, Arnel Bélizère, tu as parlé. Oui, Arnel Bélizère. Et Arnel Bélizère, tu es clair ensemble avec nous. Il fait à vue dans Valérie Dumas. Il dit dans Peggy et dans Moment Vérité. Il dit ici avec Robinson Geoffra. Il dit qu'il y a 36 âmes pour la meilleure dans le même. Côté âmes, il dit que les gens qui prêtent. Le Valérie lui m'a demandé est-ce que loué, il dit bon, ça dit elle va comme ça. Mais même une information pertinente. Qui dit qui ça? Qui dit que Zamio en location et un cop qui a recevoir chaque week-end. Zam en location. Zamio en location et 400 000 gouttes qui a recevoir chaque week-end. Maintenant, là, moi-même sénateur de la République, moi quand je me dis où ça, mon a oui quoi des boussales, mon a mouri la saline. Mais il faut qu'on questionne sénateur Sénatus. De question, par exemple, du commissaire gouvernement? Oui, il faut questionner. Faut le questionner. Mais qui est l'âme qui est en location? Homme de poing? Non, mais un sénateur, ancien député a dit, il y a des âmes l'armée. L'armée a en même 36 âmes l'armée. Donc il faut qu'on rote Kirillel qui dit, qui est-ce qui a fait des âmes ça? Qui est-ce qui a couvertu? Bon, même Mabdou, nous sénateurs de la République, nous avons deux âmes. Les âmes pas mieux, mais enregistrées. Yo bam détention pour youn, yo bam port pour youn. Mais zam ki derrière yo la ou après policier m'gen pa gen civil derrière. M'ai choisi pour me servir avec la police. Donc zam ki dans la police, ça et la police qui était pour rendre compte de lui. Mais comment imaginer que on karete me dit bon c'est sénateur, m'gen 36 zam l'état nan même. Comment imaginer jodi a pour parler national a dit, li perdu 50 zam.
Est-ce que nous avons utilisé le mot perdu? Bon, c'est ça, on dit. Ils ont dit que 50 ans, ils pas ouais. Ou inventaire. Non, 50 ans, ils ont le matin, y aller pour priver rentrer, on a fait un inventaire. Dans l'inventaire, il y a 50 Galiles qui manquent. Et dans Galilio, il y a une police judiciaire qui a demandé information dans le cadre d'enquête sur la Saline, qui était dans la main gang porcelaine. Et le nom de mon lieu était confié là. Et je ne sais pas si j'ai prénom, mais c'est M. Saint-Rémy. Et c'est lui-même qui était confié à ça qui tombait dans mes gangs. L'information était publique. Maintenant, vous estimez nécessaire de faire une enquête parlementaire sur ça? Oui. Ça. Moi, estimé, avant de faire une enquête parlementaire, il y a des citoyens qui ont caillé qui ont demandé qui est-ce qui va aux âmes et qui est-ce qui va aux âmes. Qui est-ce qui va aux âmes? Je vais faire une enquête ça. À caillé? À caillé. Je vais faire une enquête ça. Je vais faire une enquête ça. En cas tout près, non, machine qui arrive. Mais si vous avez 3 millions, vous avez des gens qui ont des âmes dans la dernière élection. Qui monde? Nous avons fait une enquête. Ou même qui chef? Nous avons fait une enquête. Ok, nous avons fait une enquête. Mais je vais vous dire, chef d'ailleurs, sénateur, attends une chose. Sénateur, vous êtes président de la commission sécurité, justice, défense. Oui. Ou puis chef, oui. Même qu'on est, ou même on va pas réussir. Non, mais. Nous ne pouvons pas réussir. Si Abdou, si sénat député, Belize, ancien député Belizeur, il dit qu'il y a 36 âmes l'armée à Namel. Et que jusqu'à présent, je m'attendais ou même on dit rien sous ça. Je m'attendais Liliane Vepol dit rien sous ça. Je m'attendais Marvel Dante dit rien sous ça. Je m'attendais RNDDH dit rien sous ça. Je m'attendais monsieur, comment on est monsieur, Edouard Paul dit rien sous ça. C'est que nous-mêmes, tout nous livrer société. Okay. Et là, on a mouru, nous pas qu'à seulement dire c'est la police. Okay. Nous pas qu'à dire c'est la police seulement. Mais écoutez, dans tout le pays du monde, la société civile li aide autorité à prendre des décisions. Par exemple, moi-même dans le Sénat, moi cavini dans le Sénat avec des propositions de loi, mais ou même comme intellectuel qui ouais pour côté gain trou, gain côté gain vide législatif ou cap pousser pour faire aider ou aider mon travail moi. Maintenant moi-même moi dis aujourd'hui a des âmes, gain un citoyen en dans pays a pas rien. Il n'y a pas rien, rien, il dit que 36 âmes l'armée en amène. Ok. Ça, c'est un. Mm-hmm. Ou non, palais national qui dit que 46 Galiles qui étaient 50. Mm-hmm. Mais ils ont joué deux Jamaïques. Oui. Comment le faire arriver Jamaïque? Ok. Ils ont joué Nyoun Saint-Domingue. Comment le faire arriver Saint-Domingue? Ils ont joué Nyoun La Saline. Qui j'en fait arriver La Saline? Maintenant, il y a 46 qui l'a gagné dans la nature. Maintenant, moi-même, moi dis qu'il nous faut une enquête parlementaire parce qu'il y a des informations que le directeur policier doit nous faire. Ok. Parce que dit, il écrit, secrétaire général palais national là, dans le mouvement transition, qui n'a pas accès pour avoir toutes les informations qu'il doit gagner. Tu as parlé de chef de la police là? Oui. Okay. Maintenant, nous-mêmes, comme c'est élu, nous y est, pas qu'à dire que nous puisque pas qu'il y a nous avons des informations. Ok, sénateur. Oui. Nous-mêmes, comme journalistes, job nous, c'est bas information. Il n'est pas ça seulement. Justement, attends, quittez-moi. Robinson Jeffroy fait interview à monsieur à bas information qui est tombé dans le domaine public. Oui. L'information sur ce Galil qui a été retrouvé et qui n'a pas le national, moi-même, des informations, je fais un article là, mettez-le devant l'opinion publique. Pas d'article, ok, ça. Maintenant, les pouvoirs publics doivent assumer leurs responsabilités. Non, d'accord avec vous. Ok. D'accord avec vous, écoutez. Qui compte vous aller, moi-même? Nous voulons aller, non seulement au travail professionnel ou comme journaliste, ou faire, mais il faut que vous travail citoyen pour continuer tout. Parce que nous, dans les médias, nous sommes là, nous sommes à ANMH. Oui. Pas vrai? Il y a ANMH, il y a AMI, qui sont des associations de médias. Il y a AJH, il y a SOS, SOS. Journalistes. Journalistes, qui des organisations de journalistes. Mais où t'es gagné? Où gagné journaliste qui mourit? Où gagné le gagneur qui portait disparu et toutes les indices ont montré qu'il mourit. Mais officiellement, 16 mois après, la police dit qu'il n'y a pas de résultat ADN. D'accord. Maintenant, journalistes, dans le cas, ils n'ont pas d'informations, ils ont pris des positions éditoriales, ils ont fait marche. Il fait manifestation dans le gagnant là, oui. 16 mois après la police, il n'a toujours pas de résultat ADN. Oui. Maintenant, sénateur, citoyen ou personne Alphonse, citoyen qui a regardé là, il a voté où? Il a eu des ressources financières, des ressources de sécurité pour aller plus loin
que moins que citoyen ordinaire. Là. Pas d'accord, vous. Maintenant, non, ok. Nous actons des accords là, mais je crois que oui. C'est job ou pour oui. Aller plus loin que moi. Je fais job moi. Je suis bien content. Je fais job moi, sauf. Mais je ne sais pas si je ne pas. Mais il faut que commissaire gouvernement ne fasse pas là, si je comprends bien. Le commissaire gouvernement ne fasse pas là, je ne fais pas. Ok. Un exemple, je dis. Alors, je prends. Vous ne comprenez pas ça, ça veut dire pile et risque que je prends. Je me suis choisi de faire bouche. Ok. L'homme campé me dit non, au Sénat, mon collègue me dit qu'il n'y a pas de gens qui parlent avec tel monde, et puis nous menons une enquête dans le public. Là, on parlait de sénateur Gassé Delva qui a une communication téléphonique fréquente avec chef gang Aranel Joseph. Pourquoi je me suis dit que tout sénateur en face de moi, si la commission n'a pas de 4 sénateurs? Parce que c'est comme si je me vends une mèche là. C'est comme m'attaquer dans mon monde. M'attaquer une collègue moi yo. Quel suivi a été fait à part à ça? Li dans menu et moi juillet pour le discuter. Même prend risque là pour me faire travailler moi. Est-ce que c'est une exploitation politique? Jamais. Ou fait job? M'a fait job moi. M'a dit moi. Okay. Si mon sénateur me respecte en bas de Gracia Delva. Son sénateur si mon sénateur me remet pour humilité là. Non sénat de Gracia Delva. Mais pas non. Casse fait couvrir ça à même papa à Pierre Anelis Senatus. Continuez net pour tout l'autre dossier. Mercenaire, nous pouvons gagner lumière sur lui parce que nous avons gagné lumière, nous avons voyé le gouvernement et nous avons interpellé pour nous sanctionner parce que nous avons vraiment nos informations. Ou songez, chambre de député, nous prenons de vitesse. Maintenant, nous avons le gouvernement qui va venir. J'ai déjà un mandat pour finir dans le mois de novembre, là, dans quelques semaines. Quelle position par rapport à ça? On le garde, on cherche un non, autre? Non, ça ne va travailler pas. Soit penser ou même par rapport à la performance. Et ça me pensait, il faut que nous fassions une analyse pour nous garder est-ce que en matière de sécurité, Gédéon a réussi ou bien échoué. Et puis tirer conclusion. Qui analyse? Moi, pensais que Gédéon vit des situations extrêmement difficiles. Moi, pensais qu'il n'y a pas qu'à battre l'estomac pour dire réussi en matière de sécurité parce que Kayo a empiré. Moi, analyser tout, circonstances et conjoncture sociopolitique l'a exercé la mi-temps. Parce que Gédéon n'a pas oublié faire la transition entre Privert qui était Mittel, et président Prival qui gardait, non, président Jovenel qui gardait Privert comme un adversaire. Donc, souche Gédéon vient mettre une forme de. Méfiance entre le pouvoir exécutif là et lui-même. Méfiance en train un peu frappe, baisser lorsque le Premier ministre Seyant vini parce que vous avez aménagé un espace de travail. Bon, quelqu'un qui dit que même souche politique tout, de que tu travailles plus bien que avant. Mais ça n'a pas un pile acte qui a enregistré aujourd'hui, que nous avons enregistré hier. Par exemple, pour tout le monde, pour les gens, c'est dans le moment ça, que nous et même les policiers, pas épargnés. Maintenant, les besoins de la police, ça y est. Ils ont en pile. Ils ont en pile et ils ne peuvent pas dire là. Ressources. Parce que nous avons besoin d'argent. La police a besoin d'argent. Souvent maintenant, parce que c'est sécurité, nous ne pouvons pas dire. Ok, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais la police a besoin d'argent. Et c'est là moi-même ma pensée avec sénateur. Yo et député, même des sénateurs, que vous soyez dans l'opposition, radical ou modéré, ou proche du pouvoir, il faut que nous entendions sous sa intérêt commun. Okay. Permettez-moi un petit moment. Nous disons sénateurs et députés, il faut que nous gardions intérêt commun parce que nous sommes toutes victimes. Sénateurs et députés, il faut que nous gardions gilet pare-balles, des cases balistiques pour descendre en bas. Parce que vous pensez à n'importe quel moment, vous avez tiré sur vous. Moi, député, victime, qui le savent, j'ai participé dans le funérail de commerçant qui est mon frère Exinor Hermano. Donc, sœur Lia, veuve Gounia, a souffert, a crié. Départ Maria, parce que vous tirez Maria, vous tirez sur tout. C'est bon, sous national. Effectivement. Vous tirez tous deux, mais Maria mourit. Sous Douya. Effectivement. Dame n'a pas mourir. Ouais, et député Exinor dans l'enterrement. Donc, lui-même, tous les victimes. Donc, tout le monde. Nous entendons député prétend Bélizère
qui dit alors yo tiré sur machine ni sous sous dalle et il y a une dame qui chef protocole Pélika Saint-Just li prend balle. Ça veut dire nous toutes cas victimes de insécurité. Okay. Je dis à me penser important pour nous connaître budget pays a pas des affaires Jovenel là-dedans. Nos affaires budget pas des affaires PHTK ou Lavalas ou l'autre groupe. C'est une question de pays que lié. Par conséquent, on nous garde comment cabaye la police là moyen qui ca permettre d'acheter ça le besoin pour le faire face avec banditisme. Dernière question, semaine ça on loi sur les armes à feu. Qui votait au niveau du Sénat, oui. Il faut voter dans la Chambre des députés. En quelques minutes, rapidement, présentez-nous et les nouveautés de ce texte. Faut que nous disions, c'est parti d'un constat. Constat qui est basé sur dernière statistique que Alix Fizemé fait. CNDR. Côté, il dit qu'il y a plus de 300 000 âmes en circulation en Haïti. Comment de comment tu fais étude ça pour l'établir chiffre ça? Statistique là seulement, oui. Il était okay. Dans le document. Okay. Maintenant, 300 000 armes en circulation, ça y est, il faut que nous cherchions à garder comment nous sommes capables de faire VVOA parce qu'il y a mis de l'eau dans la société. Mais moi-même, dans l'analyse que nous avons fait avant même que nous abordions le texte, nous avons regardé qui est ce monde qui a des armes. Nous avons des gens qui ont des armes, c'est bandits, c'est autorités, c'est compagnies de sécurité et des membres de la force publique. Même des forces publiques, nous parlons de membres. De l'armée, ancienne force armée qui parie des âmes et il y a un petit qui a des âmes non et moun qui dans la police là qui ont révoqué ou du moins qui évadé de la qui abandonné la police là qui a des âmes. Nous te regarder nous dit faut que nous regarder dans institution et tout. Nous ouais dans banque yo il y a des banques qui ont bien rach pour les gros âmes automatiques, âmes de guerre. Mes âmes ça yo la police pas le contrôle. N'a pas gardé des de VIP nous yo tout des examens manche long. Mes âmes ça yo pas ba licence pas permis pour yo. Et puis on dit on nous parti là pour nous porter une réponse à problème non. Nous concevoir moi écrit 65 articles texte ça qui allait sur question fabrication d'armes parce que nous des âmes créoles qui trouvent monde tout mais t'a déjà nous compte de lui. Nous parler de question commercialisation, parce que 300 000 et 400 000 armes qui dans le pays n'ont pas fait des armes qui sont nous voyons que vous rentrez dans le conteneur, vous sortez dans la machine, vous voyez dans le sac du riz, vous voyez dans le sac pépé. Nous disons qu'il faut nous légaliser ça. Une façon pour légaliser, c'est permettre aux citoyens paisibles, de notoriété publique saine, qui veulent faire acquisition des âmes, quel bon côté le cas à l'acheter des âmes. Un monde qui a besoin d'acheter cartouches, quel bon côté le cas à l'acheter, il laisse la acheter en bas de l'État, en bas de la loi. Et bien là, nous dit, nous avons créé des boutiques de vente d'armes et de munitions en Haïti à travers texte de loi. Mais il y a des espaces qui relèvent nouveauté, espaces inviolables. Par exemple, où un monde qui a pris l'école là avec âmes sous lit, il est dans l'espace universitaire avec âmes. Damael d'Haïti mourit dans la faculté de droit parce que vous n'êtes qui rentre avec examen qui tire. Nous dit espace faut créer à travers cette loi des espaces inviolables. Des pour parler d'un coffret qui là ou à mettre examen. Mais assez souvent administration ça veut qu'on dit la police pas le droit venir faire crasse fouille en contrôle en dans voiture. Ce qui est anormal parce que en dans banque des commissaires gouvernement nous ton filature avec des SDPJ. Nous avons un voleur qui est entré dans Unibank et sous portail Léogan. Il a des amis, il met dans le coffret normalement. Il prend le poste d'affaires activité, il a gardé les gens dans le coffret. Et puis après, il prend les amis, il met sous les tuer les gens dehors. Nous-mêmes nous disons qu'il faut que nous mettions un verrou pour les amis, pas continuer à circuler à l'église, à l'école, à la supermarché. Il faut mettre un verrou. Donc, nous venons ouvrir possibilité pour fouiller capable de faire par les autorités régulières, que vous reconnaissez qui constituent pour ça la police et la justice. Maintenant, nous arrivons à côté pour nous dire, dans le texte de loi, citoyens honnêtes, vous avez besoin pour des armes, vous avez pile de difficultés, il y a pas de papier par-ci, par-là. Et puis, citoyens de loi sont des gens qui sont malades dans la tête. Tout. Nous venons avec, on va dire, test de qualification en armes à feu. TQA que moun nan de subi avant même que yo bal zam pote.
Et qui est jaloux, il dit moi-même, pour me contrôler, madame, il faut que je me zame. Donc on est ça déjà, on est disqualifié. Mais là, les gars finissent les âmes dans tout, n'ont pas de mécanisme pour nous révoquer les âmes, pour nous révoquer le permis que vous avez dit. Dans le texte de loi, ça, nous prévoit un mécanisme de révocation permis. Par exemple, si vous êtes jaloux, s'il fait Alzheimer, si vous avez traversé une crise psychologique, ou bien s'il a lâché les âmes pour le venger, pour raison, on dit que ça, il n'est pas capable des âmes parce qu'ils sont dangereux. Maintenant, nous arrivons à la question politique publique que le gouvernement a adopté, qui est désarmement et réinsertion. On va pouvoir préserver le faire, mais en dehors de la loi. Le président Jovenel vient répéter en dehors de la loi. Nous-mêmes, nous mettons dans la disposition transitoire. Côté nous offrir à citoyens qui gagnent 11 âmes, non, mais quand on papa qui est qui est madame ni avec petite ligne, pas vle, on moun vin agresser, vin violer. Qui fait une acquisition en armes, mais elle quitte la Kaili. Constitution a dit le capable de gagner, la limite Kaili. Mais il faut qu'elle déclare la police. Mais constitution va dire dans qui temps pour le déclarer. Il va dire dans qui temps pour le déclarer. Maintenant, où tu fais moi ça? Effectivement, nous prenons mettre ti en face ça, ma prête sa chambre député à faire avec lui, et puis nous avons fait ti ajout ça si à faire. Moi, dans le texte, là, nous avons un délai de 3 mois pour les gens qui ont des âmes pour venir déclarer par la police. Il y a une nouveauté qui vient dans le texte. Mais si vous avez appréhension, vous n'avez pas un historique des âmes dans le lâcheté, souvent, c'est des âmes usagées, et vous n'avez pas un crèque. Pourquoi ça ne peut pas être un peu non, ça a arrivé. Paisible citoyen, pas un peu paisible citoyen, il y a des âmes qui ne sont pas neuves, c'est la peur. Oui. Mais dans le pas neuf, là, lâcheté dans mon particulier, les âmes dans mon histoire, est-ce que les âmes sont chaudes? Oui. Choa, ça veut dire identifier déjà et probablement impliquer déjà nos actes. Maintenant, moun n'a pas de réticence. S'il implique, si moun dit avec. Bon, si moun n'a impliqué déjà, ça implique déjà, toujours entrer dans le programme des armements. Okay. Mais là, ça, moun n'a pas passé comme on va dire tout. Parce que l'histoire, ça m'a pris rallye rapide descendre, principe général droit qui dit en matière de meubles, la possession vaut titre. Donc il y a un risque. Il y a un risque quand même. Mais okay. Puisque la fenêtre est ouverte, il dit tout le monde qui a des âmes dans le monde, qui est irrégulier, qui est illégal, ou qui a une période là pour une bouteille, c'est comme si le monde, entre guillemets, a bénéficié d'une forme d'amnistie okay. Qui n'a pas poursuivre parce qu'il y a 11 âmes dans le qui est capable de reprocher. Maintenant, si on te dit, ah, sénateur, ça prive en couleur, on est qui a 11 âmes pour le travail, il sort là, il fait 50 000 $. Et pour qui ça pour le remettre d'âmes là? Avant de me répondre à une question, ça veut dire, moi, j'ai un petit nouveau temps qui est intéressant. Mm-hmm. C'est question, monde qui prend des âmes qui a loué des âmes. Vous comprenez ça? Vous vous dites, bah, on cas là, on m'a dit, ou dit, qui loue. Il y a des gens qui louent des âmes. Il y a des gens qui prêtent des âmes, il y a des gens qui mettent des âmes en gage, qui mettent dans le plan. Ah bon? Oui. Louer, prêter. Louer, prêter, mettre mise en gage. Ok. Donc, ça n'y a pas de prévoir à travers le texte de loi que les âmes ne sont pas des outils qu'on est capable ou qu'on produit, qu'on est capable de planer. Dans le texte de loi, ça nous dit que les âmes ne sont pas planer. Parce que c'est souvent l'on plane, la journée, par contre, qui ça le fait, dans la nuit. Donc, c'est contrôle. Maintenant, pour le citoyen qui dit. Est-ce que les parlé de Zamnaya avait gagné la ville? Pas oublier nous parler de programme de réinsertion. Ensuite, pas gagné qui gagne Zamnaya maintenant, t'as remis Zamnaya toute la ville. Parce que en pile les gars gagnent Zamnaya, yo voient petit tout l'école, yo t'as remis petit tu pas devenu voleur, gangster, Jean-Louis. Yo t'as remis petit tu devenu un citoyen de la société. Yo t'as remis ouais ça petit tu as devenu tout. Okay. Mais en pile là dedans ces situations socio-économiques là qui forcent yo, situation socio-économique pour les gangs sociaux, situation socio-politique pour les gangs politiques qui mettaient ou non ça où il y a, mais y a cherché une occasion pour t'as remis des amnons et pour rentrer dans la vie normale. Dernière question qui nous fait un chapitre de sécurité, mais j'espère qu'il y a d'autres aspects à aborder dans le cadre de notre émission spéciale. On parle politique donc pendant peut-être 1-2-3 minutes. Et qui position par rapport à maintien ou changement, Premier ministre Lapin? Moi-même, pour que le président Jovenel retire tout ce qui apparaît comme irritant dans ce qu'il l'a posé dernier jour pour le bien du pays. Le président Jovenel doit rendre compte qu'il y a un déficit de légitimité populaire. Parce que même aujourd'hui, le président a mis 2-3 grains de monde. Alors, il y a quelques grains de monde
qui dit que c'est le membre PHTK qui a décidé de faire une manifestation, vous voyez ça? Je me bats en pile pour ça va être fait, parce que moi, j'ai une pile sans que couler dans le pays. Et un président, homme d'État, ou pas de prendre une provocation. La population a réclamé droit, qui c'est le droit légitime, qui te prend note et me pose correction. Okay. Maintenant, il y a un gouvernement qui a été voué en bas, gouvernement pas bon. Vrai. Parce que si il était fait mille fois, tout le temps, il y a un monde qui dit qu'il est anormal ou qu'il continue à faire. Mais il y a un monde qui dit qu'il est anormal ou qu'il y a deux comportements qu'il a gagné. C'est ou bien on l'aime normal ou bien on rentre dans la composition politique. Parce que ça politique là pas obligé de répondre avec tout ça qui est anormal. Mais il faut qu'on ait un souci pour garder est-ce que la loi est respectée, est-ce que la constitution est respectée. Lapin ou non lapin? Lapin, je ne pense pas que lapin est un bon monde. Je ne pense pas que moment m'a dit lapin. Ok. Faut que le président réfléchisse en pile sur ça et faut que le premier ministre Lapin réfléchisse en pile sur ça. Position par rapport à cohabitation qui est annoncée, position par rapport à des gens qui disent no way, no how, c'est aller pour Jovenel Moïse aller. Je vais dire un petit bagage là qui est un drôle. Malheureusement, c'est professionnel qui a fait politique en Haïti. Et c'est pas politique parfaite par des professionnels dans le pays. Je comprends. Je dis, malheur pour le pays, c'est professionnel qui fait politique en Haïti. Pour qui ça? C'est parce que il y a des gens qui vivent seulement de la politique. Ah, ok, ok. Et qui n'ont pas de crasse souci. Le pays a explosé. Dans un moment, dans une minute, il suffit que lui-même ait un café dans le cafetière, il ait un pain sur le table et lui-même avec madame et petite est capable de manger. Le pays a écrasé. Et je regrette, ce n'est pas les gens qui sont professionnels qui ont fait politique dans le pays. Parce que les gens qui sont professionnels qui ont fait politique, la fait politique là avec Curly, avec Namni, mais où est le pays? Mais ce n'est pas des gens qui demandent au président d'aller, qui ne parlent pas dans la cohabitation avec lui. Mais c'est ça que je dis là. Les gens qui disent président d'aller, à tout président qui parle d'aller, il faut qu'on connaisse qui ça y est. Ça y est. Est-ce que c'est professionnel politique ou bien est-ce que c'est professionnel qui a fait politique? Ok, vous comprenez nous, Gounia. Vous comprenez? Mm-hmm. Professionnel politique. Pays à mettre crasé. Je ne vais pas prendre le même forme digitale là. Professionnel politique dit, maman, boule le pays. Faut aller. Parce que faut mettre la soi. Mais pas des pays au cœur des discussions. Et c'est ça notre malheur. À tous les niveaux? Ah, mon cher Mabdou Magaï. Ouais. Wendell Théodore dit un bagaille avec mon invité du jour qui sont sénateurs d'après ce voir. Il dit c'est comme si m'estimer autorité ici une parole yo dit en dans chambre yo et un bagaille yo dit pour la presse. En pile comportement avec la presse yo, c'est questionner par rapport à ça, ça mon nan dit par rapport à ça le pas dit. Je dis a nous besoin institution nous. OK. Nous étions une minute, en une minute, et est-ce que vous pensez que le président Jean le parti là qui a fini quinquennal là? Difficile, en pile. Pourquoi? Parce que le président n'a pas géré rien. D'abord, même le président là. Pas un président? Oh, non, mon cher, c'est un cher. Bon, je t'arrête, mais où est le président Jovenel pour me dire ça? Ça m'a dit là. Là. Président, est-ce que le président? Si le président qui s'en est? Sénateur, merci. Oui, vous êtes arrivé. D'abord, rendez-vous dans l'occasion, c'est une émission spéciale. Kembela, par la guise.